Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a venu pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui fait dans le sport. Eh bien, pas rater Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil. Bienvenue dans la troisième sortie Hola Sport pour ce maintenant sous Télé Soleil. Nous comptons rejoindre nous, toute équipe technique Télé Soleil là, nous bien présents. Moi-même, Willow Angénon avec Coach Natou. Chaque soir, nous avons rendez-vous à 8h pour capable venir informer sur le plan sportif. Bonsoir, Coach Natou, qui joue. Bonsoir, Willow, nous sommes. Bonsoir, tout le monde. L'Argentine tombée. Et Brésil toujours un problème. Brésil qui a un problème dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Yo. Hier soir, ils ont tombé devant l'équipe paraguayenne, un goal à 0. C'est la première défaite pour Dorival depuis la partie de Brésil. Mais tellement ils ont critiqué Dorival, faut à dire. Résultat yo pi mal que ça. Nous pourrions venir décortiquer pour match football ça. Comme ça tout nous pourrions parler de Vinicius Junior qui vraiment critiqué dans pays Brésil et puis Colombie li bat équipe Argentine par 2-1. Yo mette bout dans 12 matchs sans perdre. Équipe Argentine te gagné depuis en novembre 2023. Nous pourrions parler tout de Pochettino. Oui, Pochettino qui et joue un nouveau contrat avec équipe américaine là, li pourrait gagner pour entraîner sélection américaine jusqu'à ce que Coupe du Monde 2026 là lui-même li rivé. Comme ça tout n'a vienne parler de Kylian Mbappé. Mbappé qui non litige là avec équipe Paris Saint-Germain. Matin, il a eu rendez-vous avec la justice dans pays la France. Mbappé passe sous négocier, monsieur mandé faut que bali 55 millions d'euros que li réclamé a. N'a vienne tout la Lamine Yamal qui récompensé comme meilleur jeune joueur dans la Liga espagnole là pour mois août là. Et puis n'a fini avec une mauvaise nouvelle côté Didier Roustan, présentateur vedette équipe là dans pays la France. Oui, l'équipe TV monsieur passé de la vie à trépas hier soir à 66 ans après il t'a souffri en pile avec une maladie. Malheureusement Didier Roustan li mouri à 66 ans. N'a propose là n'a tourné. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télé Soleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Bienvenue mesdames, messieurs dans développement Hola Sport sous Télé Soleil. Nous pral wè qualification Coupe du Monde dans zone Amérique du Sud là, Brésil qui prend bâton dans équipe Paraguay là, yon goal à 0 après Brésil. T'après faire un coup de victoire devant équipe équatorienne dans la 7e journée. Dans 8e journée, Junior Dorival li fait premier défaite li avec Brésil. Oui, dans chiffre Dorival qui entraîné Brésil pendant 10 fois, il fait au total 4 victoires pour 5 matchs nuls et puis une défaite marchandise là pour capable délivrer tout bon vrai coach Nato. Mission pas facile, il pas jamais facile et réalité que professeur Dorival a traversé avec le Brésil là fait que il continue à patauger dans complication. C'est dommage pour eux, c'est regrettable que après un petit souffle, on tire respiration que vous faites suite à victoire face à l'Équateur, une victoire qui était dans pile contestation, discussion sous lui certes, mais une victoire demeure ce qu'elle est. Et malheureusement, il y a le chuté là dans le déplacement ça à Asunción face à Paraguay, les mêmes qui presque étaient en concurrent direct tout parce que ces campagnes éliminatoires là qui en cours, les places sont chères et Brésil continue dans difficulté. C'est un quatrième revers dans 5 derniers matchs pour l'équipe brésilienne. Est-ce que ça montre à clair que Dorival pour capable joindre vraie recette là? C'est sûr, Dorival beaucoup capable joindre clé hein. Mais l'étagien plus large pour Brésil dans le sens que sous 8 derniers matchs là, Brésil sous 5 défaites si je ne me trompe pas. Alors que si on prend de 2003 à 2019 dans éliminatoire Coupe du monde 2022, Brésil fait seulement 4 défaites de 2003 à 2019.
4 défaites. Pourtant, dans la seule campagne ça, sur 8 matchs, le Brésil n'est pas 5 défaites. Qui explique que totalement, la crise est profonde dans le football brésilien. Et peut-être que la solution n'est pas pour demain. Équipe Brésil, ça, qui, dans le premier mi-temps, tu as un pile problème, surtout avec des pélatéraux. Et fanatique Brésil, il y a plein un pile sous deux pélatéraux, puisque il y a Arana avec Danilo qui pat vraiment bon dans le match hier soir. Il a estimé Danilo comme capitaine, mais c'est à doué pour une bonne équipe là quand même pour bayon l'autre monde chasse. Bon, mettez Danilo sous bord, c'est pour le remplacer par qui? Si n'a prêté dans référence traditionnelle brésilien, dans une certaine mesure, Danilo pas qualifié pour ta titulaire dans l'équipe Brésil. Et mais pendant le qualifié là, de loin et puis toujours avec Danilo au lieu de jouer avec arrière gauche là. OK. Non, on prend standard, on prend quelques références qui ressent dans l'esprit tout le monde. N'a pas songé Marcelo. Marcelo on peut reprocher que il est trop porté vers l'offensif par rapport à premier rôle qui sont ses défenseurs pour le travail défendant. Mais il est présent et efficace dans son rôle. Et nous n'avons même besoin de monter dans Roberto Carlos. Il n'a pas de génération qui prenne nous. Ok. Référencieux par rapport à nous, pas aucun nom de M. Bruno Elayo, Wendel, Aranha, et même ça que tu as joué Juventus auparavant, Alexandro. Mounsayo, il n'y a pas semblé profil que Brésil habitué noir. Mais le monde est fait de changements. Ça a arrivé que nouveau modèle là, nouveau plan, mandé que c'est l'autre type de joueur qu'il a utilisé. Donc, si après tu as un profil latéral qui a battu en profondeur, genre Daniel Alves qui était récemment contre Felgono, de Tekata Vive Maicon, par exemple, et Tim Arcelo encore, et bien, si nous avons une référence à ça, eh bien, n'a souffert en ville, monde qui fait l'équipe Brésil. Parce que, pas, même dans l'autre club qui a joué, des Brésiliens qui ont joué dans le poste, nous n'avons pas de profil ça encore. Ce qui fait que, c'est à Dorival, je veux dire là, de définir qui ça a clairement comme projet. C'est quoi le plan de jeu? Parce que jusqu'à présent là, le projet a beaucoup bien établi. On sent une équipe défensive. Mais l'équipe défensive, ça, il manquait en dedans. Il manquait monde pour faire jouer là, l'équipe n'a pas équilibré. Manquer monde pour faire jouer là, oui, non sens, donc manquer créateur. Manquer créateur, manquer animateur dans l'équipe ça. Mais on songe que en 1994, en pile monde des petits monde ou même certainement peut-être pas 94 du monde ça, et bien équipe Brésil c'est une équipe qui était très très défensive tout. Mais équipe ça a tenu Romario, a tenu Bebeto. Et deux monde ça comme attaquant, t'es un énorme poids pour l'équipe en face. Jodi en là, Brésil pas grand monde qui fait peur. Parce que même Vinicius, il ne fait pas peur. Même gros difficulté Brésil. Alors ce qui est pas donné, ma parole, c'est Vinicius qui a dû compter sur lui, comme un leader. C'est sous Vinicius pour te compter. C'est pas qu'il t'a doué et prend responsabilité. Peut-être Bruno Guimarães, qui a essayé de gommer, mais qui paraît trop bagarreur, dans le sens fait bad boy, là, qui a aidé l'équipe dans le sens de jouer football là. Et tout ça, c'est des atouts, mais en termes de prendre responsabilité, l'équipe là sous dos, Mapmenel, je suis la référence, équipe Brésil, ça, elle pas ça. Oui, équipe Brésil là qui vraiment a des problèmes pendant que je avec Fanatique, mais tout, gagné Vinicius Junior, dans les dernières statistiques, il a montré qu'il a fait 4 goals dans 17 derniers matchs qu'il a joué pour l'équipe Brésil là, et la presse dans le pays Brésil, Yovo et Lanlé n'ont pas attrapé. Logan renommé, qu'on gagne statut, jeudi en là, on est candidat très très bien placé pour décrocher le titre de Ballon d'Or pour l'année 2024 et gagne attente qui énorme zou et lorsque vous êtes brésilien en plus, vous faites figure de proue, vous êtes une figure principale équipe brésilienne, et bien il est clair depuis que attente n'est pas comblée, et bien charge il y a énorme cap déversé, son avalanche libre allié. C'est exactement dans le cas ça, Vinicius malheureusement trouvé. Et chiffre pas joué en faveur. Et peut-être qu'il est trop altruiste, si nous permettons nous, pendant que certaines fois, il faut être plus individualiste pour la chercher faire goal, mais les plus chercher bail faire goal. Mais combien de situations réelles que le crée, dans le sens que ces gens n'ont pas fait goal dans le dernier match, il faut bien décortiquer pour nous avoir tout. Ok, les clair. Responsabilité de leadership équipe Brésil, Vinicius, pas gagné. Il y a pile monde qui souhaitait que nous gagnions.
Mais même j'en doute, lorsque c'est parent, lorsque c'est responsable, qui j'en vois bail un petit monde, en responsabilité, sous recul pas capoter responsabilité ça. Sous bail responsabilité, elle pas capoter et que li échoué avec elle, c'est pas petit monde qui échoué, c'est vous même qui une responsabilité ça. Et après match là, Vinicius qui parlait, il dit et boule là le plus rapide en Europe qu'il est là pour jouer en Amérique du Sud. Qui donc t'as semblé ces équipes là mettre en retard. Il en a toujours été ainsi. Il en a toujours été ainsi. Et ben, même Jean-Brel Zekounia et James Rodriguez par exemple, c'est seul en Amérique là capable en attendant nous. Oui. En attendant nous parce que dans passage en Europe là, pas trop intéressant. Ne pas dire négatif, mais pas aussi intéressant par rapport à Jean-Michel délivrer marchandise là lorsque l'a joué pour Colombie. Et quel que soit niveau de dans quel que soit club, n'a pas eu de James Rodriguez. Depuis le poté jaune, maillot jaune, dans maillot jaune colombien, il est transcendé. Oui. Ok, c'est même Jean. Neymar, pendant une période de temps, il était en critique émission pile. Mais dès qu'il portait le maillot jaune du Brésil, il était transcendé. Monsieur, t'es pas l'autre visage qui vient mener que Jody y aller depuis quelques mois. En pile monde, même monde qui t'a critiqué, qui t'a massacré, il vient à reconnaître que malheureusement, il n'est pas là et le Brésil en souffre. Oui, plutôt il était là. Plutôt il était là. Voilà, Vinicius Junior qui t'est parlé après le match là, monsieur fait qu'on est. Et il y a une bataille pour être capable de remonter Portland et permettre au Brésil de venir salter déjà. C'est des déclarations qu'on a habitué à faire. On a prétendu pour nous pendant le mois octobre qu'il venait là. Qui ça vini pral bay mais nous rappeler Brésil a pour jouer contre Chili 10 octobre qui pral vini là Colombie bon côté pal li bat équipe Argentine 2-1 gagne Mosquera avec James Rodriguez qui fait goal. James Rodriguez fini meilleur joueur match football là puisqu'il fait goal et encore une fois li bay yon passe goal green goal Argentine c'était Nicolas Gonzalez qui était marqué pour équipe Argentine. Argentine qui était resté sous 12 matchs yo pas jamais perdu hier. Colombie freiner équipe Argentine. Nous peut-être pas gain garantie que ça t'a privé hier mais que Argentine t'a privé perdu ça t'a gain pour arriver quand même un jour et que c'est la Colombie qui battait là il pas de surprise pour personne parce que pas gain longtemps t'a suivi Copa América t'a gain deux belles matchs entre la Colombie et l'Argentine et sous Copa América l'Argentine était avec toute force lio mais Colombie six matchs ça le dernier il pas t'a démérité notamment finale là jusqu'à phase côté que l'Argentine prend contrôle match là net dans fait match là Colombie était encore en bonne posture t'a délivré une belle prestation en bonne marchandise et donc c'est tout à l'honneur de l'équipe ça de groupe là qui profitait tout fait 3 points pendant que yo racheté aussi ne permettre nous thème ça par rapport à attente en pile colombien certainement dernier sous yo par rapport à Copa América malheureusement que pas trouvé remporter. Est-ce que vous connait Ramés Rodriguez pas mandé pour nous capable suivre plus avec équipe Colombie ça en attendant mondial l'arrivée. Si gain monde qui t'ai voulait minimiser Ramés Rodriguez ben oui à porter attention pas même porter attention à recommencer garder ancien image lio et diagnostiquer parcourir et puis venir tomber dans ça l'a affiché jodi là mais pour le reste et monsieur toujours répondre présent avec Colombie surtout monsieur t'ai toujours répondre présent et nous devons jouer la caille en Haïti quel que soit bon pas de bon dans club qui était signé club haïtien m'a parlé de Chris Modon et Lusma depuis que maillot sélection nationale a souli Chris Modon sur l'autre monde les bails résultats ouais. Donc James c'est monde qui poté et patrie hein, pays dans cœur et depuis maillot pays souli sont l'autre monde Argentine qui pas jamais fait défaite depuis 17 novembre 2023 les ça il était battu 2-0 dans campagne pour Coupe du monde là et Colombie il fait ça pour une deuxième fois est-ce que Argentine ça est capable de perdre pour une place là dans le jeu qui va venir jusqu'à présent Argentine a dominé le classement il y a avantage là mais il n'est pas nécessairement à perdre première place là sauf que et quand l'on qui réduit hein, vient rendre possible que les cas continuent à perdre du point par exemple on t'a imaginé que dans le déplacement là fait à en Uruguay, le lapin pour la CAI Uruguay parce que c'est la CAI Argentine, c'est en Argentine même que vous avez perdu devant Uruguay. Dans le match retour en CAI Uruguay, on a dit que Uruguay battait. Eh bien, ça peut faire 3 points de plus pour Uruguay qui est actuellement là à 15 points. Donc, 3 points ça, si tout résultat Argentine fait, Uruguay fait même résultat avant confrontation ça, il y aura à égalité de points. C'est goal average qui va décider pour rester là mais entre temps et Uruguay et pas Uruguay et pendant qu'une confrontation ça qui va faire entre l'Argentine et l'Uruguay la Colombie lui-même
li vin à l'aise là pour continuer faire parcours li parce que li bat Brésil et li bat Argentine kounya là li peut-être été Colombie et Uruguay pour le tabat pour l'assurer que et ben li bat tout le monde et première place là li capable de décider pour la chercher tout. Donc pour nous retenir la question là, première place là pas garantie pour l'Argentine. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Oui, nous ne pouvons pas arriver là. Nous ne pouvons pas arriver là, c'est sûr. Mais pas d'inquiétude. Si c'est pour objectif première place, l'Inde est Argentine toujours, l'Inde a toujours été normal. Mais c'est le prochain match qui va déterminer si effectivement la va conserver. Avant Noël, tout résultat qui est fait dans la 8e journée, gagnons par l'Ampeloui entre Vidal avec sélectionné équipe chilien, M. Kirele Garica, que nous connaissons. Garica. Oui, il dit est-ce que Garica n'a pas gardé Ligue des Champions qui joue en Europe là, qui fait ses modes de football ça l'a vu avec Chili. Vidal son figure respectée de Chili et son ancien cadre de la sélection chilienne, monsieur clairement pas satisfait de prestations que équipe chilienne a bail. Et c'est son droit. C'est son droit pour que lui opine sur lui. Et notamment pour comment shooter sous entraîneur là, même s'il était chilien, monsieur t'as bien le droit pour le faire ça. Et Kounia a Garica lui-même pour le corriger Kael. Oui, Garica qui sont argentins. Oui, qui quelque temps là. Majorité entraîneur sous zone sud là, c'est argentin. Oui. Gento Bolivie dans 8e journée ça qui arrivait enfin mettre fin dans 31 années, il pas jamais font victoire en déplacement. Bon oui, ce sont des choses qui arrivent. Même Jean Saint-Martin arrive et font victoire sous 20 ans. Oui. Ben Bolivie mettait fait à série de période sèche liée en déplacement, dans le sens que l'Algain, mais surtout l'Algain Chili. Donc, lorsque ou gain Bolivie dans la situation que liée à, non seulement sur l'histoire, mais dans le contexte actuel lié, et que c'est Bolivie ça qui arrive à battre la caillou. Donc ça va vider la raison pour la plaigne. Mais de toute façon, félicitations aux Boliviens. Oui, nous voilà tout résultat que tu as fait hier soir dans la 8e journée ça. Côté équipe Colombie, il bat Argentine 2-1, Équateur il bat Pérou 1-0 et Bolivie en déplacement bat Chili 2-1. Après 31 ans, on pas jamais fait ça dans cadre qualification pour Coupe du monde, il arrive fait ça quand même. Venezuela fait 0-0 avec Uruguay et puis Paraguay bat Brésil 1-0. Dans classement, Argentine toujours premier et il gagne 2 points et en plus Colombie qui vient après le régie après fait nous exactement classement qui dans zone Amérique du Sud là côté équipe et Argentine n'a toujours premier avec 18 points coach Nato et puis deuxième là c'est équipe Colombie qui gagne deuxième place là avec 16 points et puis Uruguay gagne 15 points, Équateur gagne 11 points, Brésil gagne 10 points dans cinquième place là et puis Venezuela 6e 10 points, Paraguay gagne 9 points dans septième place là. Si ça arrêtait comme ça, c'est Brésil, Colombie, Uruguay, Équateur, Brésil avec Venezuela qui a qualifié et puis Paraguay pour jouer barrage. Ça c'est sûr, il pas prêté comme ça. Il pas prêté comme ça, il a une évolution. Et est-ce que si ça la janvier nous va connaître de 1 à 6 est-ce que la concerne pas connaître, sauf que nous entre Équateur, soutien Équateur arrivé jusqu'à Bolivie et quand là pas en pile. Donc n'importe faux pas n'importe équipe capable d'entrer alors améliorer le classement tout comme une équipe capable de perdre position, perdre place dans le classement. Nous prenons la pause là quand on vient parler de Pochettino qui joue un contrat avec sélection américaine nan, et jusqu'en Coupe du Monde 2026 là. Comme ça, nous prenons parler de Kylian Mbappé qui est en litige avec dirigeant à Paris Saint-Germain côté et Mbappé mandé pour y baler 55 millions d'euros. Pas sous négocier et Kobla c'est les mêmes pour Bali pour le capable quitter le dossier ça tranquille. N'a proposé n'a tourné. Hola sport, bonsoir tout le monde. N'a pas fini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui est fait dans le sport. Eh bien, pas rater Ola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil.
Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télésoleil. Un an de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télésoleil et notre chaîne YouTube Radio Télésoleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télésoleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Bienvenue dans la dernière partie au Lasport pour Assoya. Nous allons parler pour Kounia de Pochettino, coach argentin, qui joint un nouveau contrat avec la sélection américaine jusqu'à ce que la Coupe du Monde 2026 là l'arrive. Et dans la déclaration Pochettino, il fait qu'on est, c'est pas seulement un choix football, mais tout, il apprécie façon américaine yo et baille temps yo pour football. Et c'est pour raison ça qui permet qu'il signe un contrat, coach Nato. C'est une belle opportunité pour Mauricio Pochettino qui quand même réussit. Réussit jusqu'à présent, nous capable de dire ça dans cheminement de comme entraîneur. Il fait un bel passage dans Tottenham et puis l'aller dans Chelsea. Avant Chelsea, il fait PSG, Paris Saint-Germain. Et avec l'équipe PSG ça, il était un privilège de travailler avec Neymar, Mbappé. On monte des captains de plus, non mais monsieur, mais les gros marchandises de captains dans cette Ligue des Champions que le Patrick avait remporté. Et puis après ça, ils font un temps sabbatique et puis là, ils reparaissent là pour aider Chelsea ou dresser Capli dans la première ligue. Nous, qu'a dit dans une certaine mesure, ils ont stoppé l'hémorragie dans l'équipe Chelsea qui est venue arriver. Retrouver la gagne, même si classement que Chelsea était plus espéré, il n'est pas arrivé à atteindre. Expérience ça, comme sélectionneur national, je pense que c'est pas une nouvelle expérience pour lui. Même je me dis peut-être, est-ce que c'est pas un plus bon choix, monsieur Café, notamment par rapport à la zone. Dans la zone de Cacafla, je pense que Pochettino est capable plus à l'aise. Pour que, compte tenu de l'adversité qui gagne, pour que les baïtètes li un peu plus de poigne, plus de mordant, et arriver à installer une véritable identité de coach, même si nous connaissons un qui joue sécurité en pile. Qui joue sécurité. Système plus remé, c'est 4-2-3-1, deux médians défensifs, mais il tenait compte de qui valeur que le gagne autour. Ok? Donc, utiliser 4-3-3, mais système préférentiel c'est 4-2-3-1. Maintenant, produit que l'a joué en équipe américaine là, qui formule libre à l'adopter, nous pouvons connaître, c'est libre à le découvrir, mais quand plus chance que le joueur joue 4-2-3-1, et avec adversaire libre à le faire là, de toute façon, ça prend le fondamental pour lui, c'est que Coupe du Monde là, c'est à domicile, États-Unis à recevoir, monsieur qui a une obligation. Pour que les États-Unis fassent un bel parcours. Oui, ils font une bonne préparation, depuis avant même le mondial d'arriver, mais est-ce qu'il n'y a pas l'autre coach sous Machia qui les Américains étaient capables de prendre? Parce que Henry était démissionné, mais parce que peut-être c'était pour une raison pareille. Non, Henry était cité même dans la shortlist. Là. Et maintenant, pas oublier, le gain candidature, il y a un pile paramètres qui peuvent jouer pour décider le choix final. Là. Et qui ça fait que c'est Pochettino lié? Moins par contre, mais certainement parce que, au moins sur le plan sportif, ils ont estimé que projet ça, Pochettino, c'est le meilleur monde, c'est le monde qui réunit plus de conditions pour mener au côté ils ont espéré. Et Zidane est encore libre. Il y a qui ça fait, c'est pas Zidane. Déjà, je n'ai pas cité Zidane là-dedans. Et puis, il y a plein d'autres. Ou pas que toi tu es capable de joindre. Okay? Maintenant, le choix, c'est Pochettino, et désormais, c'est avec Pochettino que US Team a fait Coupe du Monde en 2026. Pochettino qui a un pile mérite par rapport à la façon de mener le club. Li. Bien que moi-même, je n'ai pas trop apprécié Pochettino pour des raisons de résultats. Je n'ai pas Pochettino pas gagné des équipes dans le même. Par exemple, Paris Saint-Germain à l'époque,
pour pas capable délivrer marchandise là. On va dire faut le remporter Ligue des Champions, mais au moins ou t'es capable ouais travail il fait ou t'es capable un point sur club là. Moins songer le monsieur t'as entré comme t'as privé comme entraîneur équipe PSG. Nous décidons un débat sur en chaîne télévision internationale et il y a une réserve que consultant t'a dégagé sous Pochettino, c'est que c'est un coach qui perd beaucoup ou du moins qui ne gagne pas beaucoup. Ok, et est-ce que c'est dans sa rival arriver là baronnet parce que mais le passage dans PSG a envie by raison dans ce que c'est vrai il est capable de gagner mais il n'a pas une constance de gain. Dans Chelsea, il fait des bons résultats, mais pas grand constance, pas grand enchaînement de plusieurs grands matchs, plusieurs grands résultats, contrairement à un profil que nous connaît de Guardiola, de Ancelotti, etc. Tu vois. Donc, est-ce que même étiquette ça a continué à accompagner avec la sélection américaine? Non, nous ne connaissons pas. Dans la campagne éliminatoire, là, pas quoi nous-mêmes, comme Haïti, nous avons une situation de rencontrer avec lui, parce que nous sommes qualifiés directement déjà. Et c'est peut-être dans la Ligue des Nations, bon, même dans la Ligue des Nations, l'éclair nous va rencontrer avec lui. Donc, on n'aura pas la possibilité de voir est-ce que Pochettino est capable de faire nos problèmes nous-mêmes en tant qu'Haïtien ou pas, sinon que garder la télévision avec l'équipe américaine. Là. Nous parlons de quelques résultats qui fait dans la dernière journée de la Ligue des Nations pour la zone européenne. Gagné la Hollande qui a joué contre l'équipe allemande. Le match football ça fini 2 goals partout. Dans la même journée, ça gagné Hongrie qui fait 0-0 contre Bosnie-Herzégovine. République tchèque li bat Ukraine 3-2. Albanie tombé devant Georgie 1-0. Gagné l'Angleterre qui bat Finlande 2-0. République Irlande li tombé devant la Grèce 2-0. Lettonie li bat équipe Ilfoyoya 1-0. Macédoine du Nord li bat Arménie 2-0 et puis en dehors tu prends bâton dans même Malte côté Malte bat li 1-0. C'est parmi résultats qui fait dans Ligue des Nations pour zone Europe. Là n'a toujours été en Europe fois ça, nous pour parler de Kylian Mbappé qui pétait coquin avec dirigeant Paris Saint-Germain yo. Côté dirigeant ont demandé pour yo des yon monde qui capable négocier et pour qui capable joindre un terrain d'entente. Mbappé dit non, pas dans bagay comme ça, c'est comme li pour yo bali. Et bien Mbappé qui tranché qui dit c'est 55 millions d'euros pour yo bali parce que Paris te douil trois derniers mois qu'il te fait dans l'équipe là. Ben oui, réclamation ça a été faite déjà depuis quelques longues semaines et PSG t'a réagi pour dire que pour yo pas dit que yo pas gain compte là pour lui, mais on te dit que monsieur t'a signé des documents côté que t'a renoncé à prime ça. Maintenant, deux parties ont une position. Yo. Si ils n'ont pas arrivé capable d'entendre dans le sens que ils ont validé la requête l'autre, là, et bien clair, c'est le tribunal qui va devoir trancher. Et qu'on y a face à tribunal là, face à cheminement tribunal là, voilà que PSG demande médiation. Bon, médiation, c'est un intermédiaire qui pourrait permettre que deux parties yo aller vers un terrain d'entente. Mais pendant que PSG demande médiation ça. Mbappé lui-même, nous voulait maintenir position, à savoir que Khalil Kobli. Oui, Kobla qui est intéressé. Il s'est plaint tout sous bonus de Tedouil. Sur trois derniers mois, avril, mai, juin, l'alternant équipe Paris Saint-Germain. Il y a plein de monde qui malouait ça. Il y a malouait Kylian Mbappé qui a traîné Paris Saint-Germain la justice pour Kob. Malouait dans quel sens? Parce qu'il était ancien joueur PSG, parce qu'il était français. Mais c'est un type de joueur, type de monde que. Presque rien sous lui-même pas doué étonner mon encore. Parce que il a affirmé sa personnalité au point que Livin, il s'est imposé au PSG, non imposé là, il a semé la pagaille. Et l'arrivée dans l'équipe de France là, il profite de quelques vides qui étaient gagnés, il s'est créé une place, il a imposé et jodi an là l'équipe de France a commencé à souffrir de lui parce que après défaite italienne là vestiaire l'écrasé, il y a pile problème dans l'équipe là suite à attitude etc. Donc est-ce que le Real Madrid est capable d'afficher un statut différent, une image différente non équipe Real Madrid là, on ne sait pas, on l'espère de toute façon, heureusement que Real c'est institution que lié. Mais là tout en fragilité. N'a pas les sous dans prochaine fois peut-être. Oui. Nous parler pour Kounya dans Lamine Yamal qui prend prix comme meilleur jeune joueur
pour moi août là dans la Liga espagnole là, Yamal nous connaît qui étant participé dans 4 goals que l'équipe Barcelone a fait comme passe décisive, il te font goal d'eau et Yamal 17 ans, il est récompensé comme meilleur jeune joueur et prix ça au Bailly avec un joueur qui a moins que 23 ans dans la Liga espagnole là, c'est lui même qui est récompensé comme meilleur jeune joueur dans la Liga, c'est vraiment mérité coach. Totalement mérité, totalement. Et pas aucun débat qu'a fait sur ça parce que tout donné c'est évident pour tout le monde et ce moment c'est réalisation pour sélection espagnole pendant été dans Euro des Nations et pour Barcelone pendant saison mais j'étais décisif et présent dans tout bon moment yo. Et ben c'était une saison véritablement révélatrice pour monsieur, donc c'est de bon augure, c'est correct que les bénéficier de prix ça. Alors pendant jour ça yo, Yamal qui prend pile prix, est-ce que ça t'a voulu dire que pas gain question d'observer Yamal encore? Non, Yamal pas d'observation pour lui encore, c'est un jeune certes, le talent confirmé au niveau de l'âge, ils sont jeunes et ça fait quelque temps que mon a dit que malgré l'âge les jouer avec un caractère de monde qui est grand et certains experts du foot même dit que sous ça l'a exprimé à exprimé 25 ans et non pas 17 ans. Ben est-ce qu'on prend son pour garder monsieur qui a joué sans inquiétude. Oui, sans complexe. Monsieur Al, on parle pression. On voit que le conseil du jeune, on parle de folie. Mm-hmm. Folie, ouais, le parler de folie, ouais, Timoun. Mm-hmm. Pas un Timoun dans Yamal. Ok, donc, la confirmation est déjà là. Et est-ce que son crack, nous ne connaissons pas, on est en train de nous voir quand même, mais tout va en son sens maintenant pour que les joueurs déterminants de prochaine année. Yo. Oui, mais Brésilien, ils utilisent le crack là en pile. C'est ton Brésilien là, il t'a dit, nous, Yamal, son crack. C'est pas brésilien ou nécessairement qui a utilisé le cas. Le monde du football, oui. Parler de ça. Mais il va nous pilmenter avec brésilien ou tout. Comme... Mais c'est pas brésilien qui fait de des cracks. Ok, c'est pas brésilien qui fait de des cracks. Et là, je me dis, crack là, dans la médiatisation. Mm-hmm. Ok, exemple, c'est Real qui vend nos projets Hendrick. Si vous n'avez pas déniché et fait des postes sur lui, etc., eh bien, gens que le produit a vendu, non, il n'y a pas de vendre comme ça. Ils ont commencé à vendre Estevao, etc. Mm-hmm. Et Chelsea, parce que il y a d'autres références européennes au niveau du club qui ont des yeux sur eux tout. Donc, ils ont même besoin de faire quoi ils font façon, ils augmentent, ils ont belle valeur pour que leur arrive dans une situation que si ils n'ont pas qu'à profiter sur les soudains, pour y aller profiter là, du point de vue financier. Ils ont été comme là. Ils ont fait comme là quand même. On a fini la sport avec une mauvaise nouvelle. Gagné Didier Roustan, qui malheureusement mourit à 66 ans hier soir. Il s'était présentateur vedette de chaîne L'Équipe dans le pays la France. Nouvelle yon fait connaît. L'étape souffrit avec une maladie depuis environ 3 semaines. Et bien malheureusement, Didier Roustan li mouri à 66 ans. Il était dans L'Équipe depuis 1999. Il était passé dans Canal Plus avec TF1. C'est une perte pour la société parce que son monde qui parle encore. Mais dans le milieu sportif là, notamment dans le monde de commentateurs, consultants, c'est une belle figure, son grande figure. Disons, ça a été une belle figure. Monsieur, il y a une particularité que... Alors, il fait de Brazzaville, ok? Et monsieur, son grand amant de sport, surtout de sport, de football sud-américain. C'est un monde où je viens comme commentateur, comme consultant surtout, parce qu'on a tout précisé ça, il n'était pas présentateur à L'Équipe, mais consultant. Et émission, on enchaîne L'Équipe, qui est L'Équipe du soir là. Monsieur, tu es président à vie, de niveau débat qui fait dans l'émission ça. Monsieur, tu as une particularité, ça, que il y a deux grandes figures dans le football mondial là. Et Eric Cantona, français, et puis Diego Maradona, qui c'est monde que monsieur était plus enchanté de yo et idole monsieur monde qui pour lui même plus bon joueur football qui existait dans le monde là il retire chapeau devant Pelé mais après Pelé seul grand joueur qui existait à Diego Maradona bien sûr lui apprécié respecté en pile Messi mais pour lui comme en pile monde Messi et l'on retire chiffre yo. Mais en termes d'expression, d'image, etc., Messi n'est pas arrivé dans le niveau Maradona. Ça, c'était conception de Didier Roustan.
L'équipe a perdu un consultant, le monde sport a perdu un connaisseur par rapport à l'analyse, etc. Ben, c'est ainsi la vie, c'est un passage obligé. Monsieur Fechemel, il a entamé voyage li, et chaque autre monde sous ça, bonjour, il a fait voyage par eux. Il était apprécié, monsieur, pour façon il relax sur le plateau pendant qu'il a fait analyse. Super relax, super relax. Merci tout le monde qui t'a suivi, troisième sortie au La Sport pour ce maintenant. Bonne nuit tout le monde, merci un pile tout avec toute équipe technique Télé Soleil là. Merci, continue à tout, bonne soirée. Bonne soirée, Lord, bon, merci tout le monde et bonsoir, à bientôt. Hola Sport, bonsoir tout le monde. N'a vini pour nous décrypter, commenter et analyser tout ça qui fait dans le sport. Eh bien, paratez Hola Sport chaque soir à 8h sur Télé Soleil.